Hey, salut tout le monde, c'est GoPotrin3 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Iron Man TV. Oui, donc j'ai gardé le concept juste pour donner un peu l'actualité de Iron Man, un serveur où je suis. On le voit pas bon, donc juste pour le chat, cofondateur. Et donc aujourd'hui nous allons vous parler de l'actualité du. Enfin, l'actualité. De la refonte du spawn. Donc le serveur est repassé en whitelist, désolé, du coup vous n'avez pas pu venir sûrement, peut-être qu'il y en a contesté et du coup ils n'ont pas pu venir. Ils ont dû se demander what the fuck. Mais c'est parce qu'en fait on a remis la whitelist pour la refonte du spawn entier, donc je vais vous montrer ça. Tiens, j'ai des bottes, des belles boutines moi. Et donc voilà, vous le voyez derrière moi, je vais vous montrer un... Voilà. Et donc voilà, c'est le nouveau spawn. Donc dans le chat, bon, vous voyez pas, mais normalement, voilà, ça marque bienvenue sur Iron Mine, tapez kit paysan, slash kit paysan pour votre kit de base. Donc c'est un truc qu'on a fait un peu dans le style de la glace, comme vous le voyez. Et donc on passe par là. Pour après aller au principal téléporteur, le faction, vers Créteil, la nouvelle ville du serveur. Et bien sûr, il me reste encore une grande étape du mur à faire, car voilà, le mur est assez long à faire. J'ai fait déjà tout ça. Donc, c'est moi qui ai eu l'idée de faire ce nouveau spawn. J'ai inventé tout le sol et tout. Et j'en ai parlé, je vais montrer quelques trucs à The Black Sniper 9. Et il a accepté, donc il m'a aidé à construire ce spawn. Mais il manque encore une grosse partie, il manque tout ça, là, vous le voyez. Et là, il manque encore. Créteil, je sais pas si je vous la montre, voilà, vite fait. Non, je vais pas la montrer, je vais pas vous la montrer maintenant, c'est pas le but de cette vidéo. Et donc, oui, l'ancien spawn, donc il était là, mais quand on a fait ça, on a décidé de le mettre là, le spawn, parce que c'était plus joli, on trouvait. Donc je vous montre une vue aérienne, un peu. Donc vraiment très joli avec le portail Free Build là, le portail PVP et le portail Créteil. Et après, entre les. Voilà, là, à ces endroits-là. Voilà, là, ce sera comme ça qu'on mettra les portails, les petits portails qui nous amèneront vers les autres zones. Oui, donc l'ancien spawn qu'on avait fait, c'était celui-là. On l'avait fait justement dans tout le contraire, dans le type savana, mais on va le laisser comme ça. Enfin, on avait fait ça, mais avant vous avez dû sûrement connaître, parce que ça, on l'a fait avec la whitelist, donc vous n'avez pas pu le voir. Mais bien sûr, voilà, donc avant c'était le petit truc en squat, qu'on a changé par ça, qui est maintenant le sous-spawn, on va dire. En fait, c'est le sous-spawn, c'est là où il y a le règlement. Le panthéon, et ça par contre c'est tout moi qui l'ai fait, et les fontaines, il y a eu quelques petits gadgets, quelques petites modifications ajoutées par, tiens, j'ai un trou de mémoire, comment ça s'appelle, je ne trouve pas, voilà, donc Crisis 58, que vous pouvez peut-être connaître, car il a une chaîne YouTube, qui a pas mal d'abonnés d'ailleurs, et qui est maintenant le nouveau builder du serveur. Enfin, le nouveau. Avant, j'étais là, mais moi, j'étais cofondateur, donc j'avais autre chose à... Je pouvais pas trop... J'avais beaucoup de choses à gérer. Et du coup, voilà, donc c'est l'architecte du serveur. Après, nous avons animateur Machinery, donc bon, je vous montre dans ça. Donc voilà, c'était le spawn qu'on avait eu l'idée. Mais après, on a changé, on a mis le truc du dessus, et ça, justement, ce sera le sous-spawn. Je sais pas comment l'appeler. Donc il y aura, à ce niveau-là, il y aura le Hunger Game qu'on a soumis, les règles et l'oncle Panthéon. Je vous rappelle, le serveur est maintenant, ça c'est une nouveauté aussi, le serveur est maintenant PVP, faction, free build et magie. Nous avons rajouté la magie, donc vous aurez l'accès au sort dans quelques, ben, quand la white sera enlevée. Et sinon, ah oui, nous avons sorti aussi le plugin de Dakut qui nous sert, ben là je peux pas le faire parce que je suis tout seul, et donc normalement quand ça l'autre de jouer, une fois qu'il a sauté dans l'eau, ça pose, voilà, on a testé avec Zombie Sniper 9, une fois que ça tombe dans l'eau, ça fait poser une laine de la couleur de ton équipe,
et ça téléporte l'adverse ici. Et donc il peut pas tomber grâce au système des barrières. Je sais pas si vous connaissez, donc voilà, les barrières sont en dessous et du coup on peut pas passer. Et donc il saute et une fois que cette personne a sauté là, ça va être une lame à l'endroit de sa couleur et ça va téléporter l'autre personne ainsi de suite. Donc c'est un système plutôt pas mal. Et donc là vous voyez les résultats de la 1.7, vous voyez la biome champi, c'est une des nouvelles biomes. Donc voilà pour ces actualités d'Iron Man TV et je vous dis à bientôt pour d'autres actualités et d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde!